Hey, salut tout le monde, c'est Atomania. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode de Pokémon Uranium. Dans le dernier épisode, nous étions arrivés à Kyurin, nous ne faisions pas de Kyurin et nous avions perdu. Et donc, j'ai fait XP mes Pokémon jusqu'au level 65. Et je les ai testés là. Je les ai testés la veille où je tourne cet épisode, donc normalement ça passe. Ça passe. Voilà. Et durant l'XP, j'ai trouvé un Nupin Shiny, forme nucléaire. Voilà, lui, j'ai trouvé en forme nucléaire Shiny. Voilà. Allez, hop. Fuite. Voilà. On va éviter de prendre trop de dégâts. Allez, c'est bon, c'est parti pour Kyurin, la revanche. Tintin, t'es quelle chance, le fils de l'homme qui a tout remonté notre existence. Tintin. Allez, tanana. Et dire que pour le prochain épisode, bah, ça sera la veille de la nouvelle année, le 31 décembre, et ouais. Et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon Noël, hein. Et que vous avez eu de beaux cadeaux, tout ça, tout ça. Maintenant, tu vas le rejoindre, maintenant que nous avons des otages, les rangers n'auront... Ok, et tu vas voir, tu vas perdre. Oh, après tout ça, tu veux toujours combattre. Ok. Et Urali, niveau 60, lui je pense qu'on peut le one shot, vive attaque, aïe, ok, Urali comme par hasard, quand je testais mon équipe, il avait pas fait vive attaque, il avait fait vive attaque, Arbok. Allez, lâcherai. Allez, séisme. Meurs, Arbok, meurs. Allez, c'est bon. Deuxième Pokémon battu. Xenorain, allez. Allez, non, proto-rayon. Ah, il avait raté, je me rappelle. Résiste, Nacheret. Ah, putain. Il n'a pas résisté. On va envoyer Maître Armand. Voilà. Ok, couche book. On peut envoyer New Titeuf. Couche book. Allez, t'es plus rapide que lui. Ok. Fais un coup critique sur le couche book. Coup critique du bec pointu, ça fait mal. Ne m'inquiétez pas. Parfait. Tintin, Urain. Allez, le dernier Pokémon. Allez, vent violent. Oui. Oui. Enfin. Atom a vaincu Apocalypse Curry. Quoi? Non, non, non. Ouais, 9100 Pokédoars, ça nous servira acheter des hyper puissants. Cela ne peut arriver. Nous étions supposés être invincibles. Urain! Oh putain, l'autre qui commence à s'apercevoir. Comment pourrais-tu n'être qu'un enfant? Je comprends pas. Ouais. Tout ce pourquoi nous avons lutté, tout ce pouvoir a disparu. Urain, réponds. Réponds-moi, Urain! Non! Je nous ai laissé tomber. J'ai échoué à te protéger. Les rangers vont venir pour nous maintenant. Ils te tueront sûrement. Je suis désolé. Tu es toujours en vie, bien que tu aies perdu une grande partie de ton énergie. C'est ça, ouais. Uranitis, ok. Je fais quoi, moi? Atom, Atom, tu me reçois? Oh, merci Arceus, tu vas bien, quelque chose bloquait le signal, je n'arrivais pas à passer à travers. Atom, j'ai eu tellement peur, j'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Ouais, mais c'est pas passé loin. Hein.
Alors, que s'est-il passé? Tu as trouvé Curie? Je vois, donc tu l'as combattu, tu as gagné. Mais ils se sont enfuis, mais ils ont réussi à s'enfuir. Bien, avec Urain en mauvaise forme, ils ne sont plus une aussi grande menace. De plus, il semble que les radiations provenant de la centrale numéro 2 se soient arrêtées. En utilisant notre escouade de Rangers, nous devrions pouvoir facilement localiser et appréhender Curie. Et de tout mon cœur, merci à Tom. Grâce à ton courage et à ta détermination, Tandor a été sauvé. Mais qu'en est-il de Théo? Est-il, tu sais, en vie? Comment dire? Oh. Alors, que s'est-il passé? Un Tom, c'est toi? Oui, Curie, la seule chose dont je me souviens, c'est deux me poussent dans cette cuve. Théo, tu vas bien? Oui, il est là, Théo. Alléluia. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai passé à l'intérieur. Atom, je ne sais pas comment dire ça, mais je suis presque sûr que je te dois la vie. Ouais, donc tu sais, tu l'as fait. Tu as battu Curie, oui. Waouh, c'est bientôt, Atom. Perdre n'est pas une option pour toi. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça a dû être une magnifique bataille. Je n'arrive pas à croire que j'étais juste là et j'ai tout raté. Je suis content que tu ailles bien, Théo. Je t'envoie tout de suite des rangers vous récupérer, toi et Atom. Merci, patron. Je suis désolé, j'ai désobéi à vos ordres. J'ai été idiot et j'ai mis la mission entière en danger. Ouais, je crois que après tout ça, je vais faire une pause dans mes aventures. Je vais rester à l'hôpital avec papa. Je serai là quand il se réveillera. C'est à toi de décider de tes actions. Oh, purée, que c'est beau. Pfiou, je suis fatigué, Tom. Nous devrions sortir d'ici. Viens, je connais un raccourci. Ainsi, Atom et Théo retournèrent au QG des Rangers. Quand ils arrivèrent, ils furent accueillis comme des héros, et la rumeur se répandit dans tout Andorre que Atom avait vaincu Curie. Ah voilà, c'est bon! Et là, on est où? À Vagune! Ah, Vagune. Alors, attendez, est-ce que nos Pokémon ont été soignés? Oui, ils ont été soignés. C'est parfait. Alors, le magasin, il est où déjà? Tintin, tintin, tintin. C'est là? Peut-être que non. Le magasin, je le cherche, ce magasin. Je le cherche. Il est où, ce putain de magasin? Ah, voilà! Bah voilà! Alors, bienvenue au cette... Ouais. Et si vous... Ok. Non. Je vais me débrouiller tout seul. Alors... Je vais aller au premier, parce que... Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Oh. Hop! Ah, mais c'est bon, là. Depuis 4 tonnes, ah voilà, hyper potion. 7 hyper potions, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Vendre. Alors, la pierre nuit ne sert à rien, tout comme la pierre foudre. La poudre argentée, ouais, pas grand chose. Quoi, 10 000 pour... Je prends. Evoluroc, non. Arbokid. Oh! Ah yes, hein, du carbone. Encore du carbone. Les nucléboles. Oh, 5 000. Bon, on va pas vendre les Pokéballs. Voilà. Bon, on a au moins un petit peu d'argent pour s'acheter des potions. Voilà. 30 hyper potions, ça devrait le faire quand même, hein. Voilà. Alors on va voir ce que nous veulent les rangers. Parce que là c'est bon, là. On peut... voilà, redresser. Ah, il faut peut-être aller voir l'autre à l'hôpital, non? Je sais pas. Alors attendez, déjà on va aller voir. Alors attendez. QG des rangers de Thunder West. Voilà, c'est là. Alors...
Je n'arrive pas à y croire, vous avez sauvé la journée. Vous me demandez pourquoi je crie sauver? Eh bien, je pense simplement que c'est juste bien de sauver des choses. Voilà. Alors, Atom, je suis tellement heureux de te voir. Viens avec moi, s'il te plaît. Pendant que tu étais en route pour venir ici, Cameron s'est réveillé de son coma. Je lui ai déjà raconté ton combat face à Curie. Et comme tu l'as battu, c'est que quelqu'un d'autre... Ouais. Je suis littéralement sans voix, tu as fait quelque chose d'incroyable, Atom. Tu as rempli ta mission, tu as protégé tout en dehors à ma place. Je m'étais réveillé pensant au pire, mais au lieu de ça, je reçois des merveilleuses nouvelles. Maintenant, je peux rejoindre mon fils. Je suis tellement heureux. Papa, tu m'as tellement manqué. Malheureusement, nous n'avons pas complètement réussi la mission. Curie est parvenu à nous échapper, mais nous sommes en train de passer la région en peine de faim. Il ne nous échapperont pas pour longtemps. Oui, c'est vrai que nous ne pouvons pas complètement nous reposer tant que Curie ne sera pas rendue à la justice. Mais quand Atom a battu Irene en combat, il s'est changé à sa forme alpha. Cette forme est beaucoup moins dangereuse, ce n'est pas beaucoup radioactif et il ne peut commander d'autres Pokémon nucléaires plus forts. La forme bêta le peut. Tant que Curie ne met pas ses mains sur de l'uranium plus enrichi, il aura cette faible forme indéfiniment. Il n'y a pas de chance que Curie se procure plus de combustible uranium, n'est-ce pas? Pas si nous pouvons l'aider. Et pour la sécurité de tous, toutes les tiges d'uranium combustible ont été retirées de la région. Nous sommes en train de voir pour trouver des sources d'énergie alternatives à la place. Si Curie veut mettre la main sur plus de combustible, nous devrons quitter Tandor. Nous les attraperons avant. Je vais recontacter l'Interpol. Ils n'ont pas eu mes nouvelles depuis 10 ans, donc ils seront forcément surpris, mais lorsqu'ils auront appris qu'un dangereux criminel est dans la nature, je suis certain qu'ils enverront de l'aide. C'est trop classe que tu sois agent secret, papa. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies rien dit. Si je te l'avais dit, Théo, je n'aurais plus été très secret. En plus, je suis techniquement à la retraite, et finalement, je pense que je peux commencer ma retraite aujourd'hui. Tu m'as terriblement manqué, Théo. Je ne te quitterai plus, papa. Pas avant un bon moment. Alors, Atom, nous devons y arriver. Cameron est toujours en train de se remettre de ses blessures. Il a besoin de repos. Et Théo a besoin de temps pour se reposer aussi. C'est que Théo traverse la frontière et ça y a beaucoup coûté, ça va prendre du temps. Avant qu'il ne redevienne complètement lui-même. Mais je pense qu'il arrivera à l'aide de Cam. Comme pour toi, si jamais tu as besoin... Je suis désolé, je n'ai jamais été très sentimental. Atom, je suis fier de toi. Et je suis là si tu as besoin. Maintenant, je suppose que vous décidez de votre parcours, n'est-ce pas? Tout Tandor est à explorer, mais je crois connaître ta prochaine destination. Le championnat de Tandor sur le mont Artinide. Naturellement, c'est la prochaine étape pour les dresseurs possédant 8 badges, n'est-ce pas? La route vers la championnat ne sera pas facile, mais après que tu as vécu... Ce que tu as vécu, n'importe ce que tu as vécu dans la zone dangereuse, je suis certain que tu seras un peu dérangé. En fait, j'attends de devoir obtenir le titre de champion de Tandor en peu de temps. Oh, et une dernière chose. Si tu n'es pas encore allé voir le labo R&D, je pense qu'ils ont découvert quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je suis sûr que tu atteindras le sommet. Il est où le labo? Alors, attendez. Ah! Atom, c'est toi, viens vite. Nous avons une énorme percée. Regardez ta nature. Avec l'aide d'Azma, nous sommes parvenus à absorber les radiations dangereuses de ces cellules. Ta personnalité est redevenue normale et il n'est plus méchant désormais. Azma, ce nouveau Pokémon nous a été d'une aide précieuse pour le remède. Il se nourrit de radiations et absorbe tout ce qui est contaminé. Jusqu'à ce que la place ait été complètement nettoyée, c'est la découverte d'une vie. Et c'est grâce à vous et à Théo. Maintenant qu'un remède a été trouvé, je vais retourner au labo des Bomaki. Mais Atom, si vous avez des Pokémon nucléaires contaminés, assurez-vous de les amener au prof Cypress là-bas. Ah, bon, bah, enfin, voir la forme shiny du Lupin. Allez,
Allez! Mais ça y est, c'est bon là, tu pars et puis c'est bon, allez! Allez! Au revoir! Allez, on va voir la forme shiny, c'est un PC quelque part! Putain, ils peuvent mettre un PC ici! On va voir la forme shiny avant. Hop! Bah là, je suis obligé de prendre mon lutin. Alors. Voilà, je vais déplacer Pokémon. Regardez. Sa forme shiny. Hop, oui. Alors, on va le mettre à la place de Multiteuf. Voilà. Mais c'est juste pour. C'est juste le temps de décontaminer de sa forme nucléaire. Voilà. Hop. Alors. Bonjour à toi, Mathieu. Oui. Voilà. Oh, je vais traiter ton lupin, ça ne sera pas long. Et voilà, ton lupin est complètement guéri. Sur toi de m'apporter tes autres Pokémon irradiés. On va voir sa forme shiny. Résumé. Ça n'a pas changé. Attendez. Oui. Non, ah bah. Il a encore sa forme nucléaire, mais attendez. Non. Si tu étais Pokémon dernier, moi je les guérirais. Ok, mais elle avait dit autre chose. Hein. Voilà. Donc on va reprendre Newtiteuf. On va reprendre Newtiteuf. Hein. Voilà. Hop. PC de Twitch. De Twitch. Hein. Je veux juste déplacer un Pokémon. Oh, pas mal. Alors, j'avais vu les animations, c'est pas mal. Alors, pourquoi lui, il a pas d'animation? Hop. Voilà. Le Nupin Shiny. Hop, on le met là. Allez, je sauvegarde. Je sauvegarde parce que j'ai pas envie de me retaper tout ça, moi. Je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde !